had better be important. Yes, sir. The American agent has infiltrated the X-Lab facility. What? Will this fool follow me to the ends of the Earth? What are your orders here, Oberfuhrer? Dispatch the remaining security force immediately. And if the American gets past the security force? Then I will deal with him. Jawohl! Bon, commence là un des niveaux les plus pénibles du jeu, mais aussi un des paradoxalement des plus le fun. Je trouve aussi que c'est un des... Il y a une esthétique vraiment particulière. Ouais, gestation area. Donc, j'ai oublié de le montrer dans le dernier niveau, le briefing pour le chapitre où ce qu'il y a les, la Norvège. Ça, c'est des debriefings des missions précédentes. Donc, c'est de commencer discret. Une petite pièce ici. On dirait qu'ils m'attendaient comme ils ont déjà préemptivement crissé la table à terre. Biogeffer, une chaise électrique dans un laboratoire. On sait jamais quand il faut électrocuter un interne de labo qui est. De l'attitude. Ce niveau-là, on a à nouveau les loppers, là, ceux qui sont qui marchent sur leurs deux bras puis qui lancent de l'électricité. D'ailleurs, on peut en entendre un. Secret. On va pouvoir y arriver bientôt. Ces champs-là d'électricité peuvent tuer instantanément. C'est une façon intelligente, je trouve, de faire comme une porte qu'on peut pas rentrer d'un bord, mais on peut rentrer de l'autre bord. On passe de l'autre bord, puis on active le... On désactive l'électricité, je veux dire. Bravo. D'habitude, normalement, je passe comme direct par la porte, mais là, je vais aller voir en haut ce qu'il y a. Ok, la porte est bas. Oh, le scientifique a peur. Ouais. Je fais attention parce qu'il y a un événement strict. Je pense que vous voyez ce qui s'en vient. Ouais. Non, mon esti. Wow! J'ai réussi! J'ai ben pas perdu de santé ni d'armure. C'est incroyable, c'est comme... C'est comme capturer de la foudre dans une bouteille. C'est ça l'expression? Apparemment, on dirait que c'est du gazon, mais quand j'étais petit, je pensais que c'était des crottes, genre. C'est comme oui, genre, ces créatures-là, genre. Leur déjection ressemble à ça. Rien. Quand même, ils étaient pas fait fort leur mur, comme le. Il enferme les créatures là-dedans, puis la créature crisse le camp. X-Labs 1. Ouh. Cette salle-là me rend perplexe un peu. Il ouvre les trappes, les petites portes, genre des loppers ouvrent. Je me demande qui les ouvre et pourquoi. Je pense que c'est... Je pense que c'est Deathhead qui les ouvre parce qu'il sait que ses gardes vont pas faire le poids, fait qu'il dit genre de la merde si j'envoie les vestiges de monstruosité. Il y a déjà un de mort. Ouais, là, ils sont en liberté. Ils peuvent ouvrir les portes comme. D'ailleurs, il faut descendre là parce qu'il y a un objectif, c'est de
retrouver le livre, puis il y a un petit papier à côté qui est intéressant, qui raconte de l'histoire. Tabarnak! Hey, à chaque fois j'oublie que quand la vitre, je fais le saut. Ok, non, c'est une blague, je le savais parfaitement à quoi m'attendre, puis j'ai fait exprès de faire le saut. J'ai menti. Mais genre, pendant très longtemps, je l'oubliais tout le temps, cette attaque-là, puis genre, Chris. Ça y en a encore un. Heureusement, ils sont pas si rapides que ça. Ben, tu sais, quand ils courent, quand ils font juste marcher. Hey, c'est dangereux, ces Christy-là. Vous, ce qu'il a fait, c'était comme quasiment à 100, pis genre. Il m'a drainé, le colis. Heureusement, je pense que c'est tout pour le moment. Il reste pas trop après. Où aller par... Ok, ouais. On est sur le bon chemin. On peut descendre ici. Il est muté. Comme le layout précis de la carte, je m'en rappelle jamais. C'est frustrant. Oh! Il dit que genre il y a une épidémie de choléra parce genre il y a un comique qui a jeté les merdes des créatures genre quand les créatures ils chient il a dompé la merde dans le réservoir potable. C'est drôle. C'est comme un des niveaux les plus épeurants puis genre il y a une blague de caca dedans. Ouais, c'est ça que je veux dire, regardez. De voler le fusil du gars. Ok, j'essaie de me rappeler, je suis rentré. Ok, ça c'est l'entrée. Là c'est le secret. Là, la porte elle sauve-tu? Ok, non, elle sauve plus. Ce niveau-là me confirme encore, je me rappelle jamais exactement comment il est organisé. Les loppers ils ont défoncé la porte ici. Donc on peut l'entrer. C'est absolument mort, tout le monde est mort. C'est assez gore comme jeu. Les papiers ici. Donc, Heinrich Himmler, j'ai un ami qui m'a conseillé de lire certaines des notes qui sont comme importantes. Heinrich Himmler a vraiment existé. C'est le deuxième genre des. Après Hitler, c'était comme le second de Hitler. Et il était à la tête des SS. Donc, les SS, il y a l'armée de l'Allemagne. Et les SS, c'était les Schutzstaffel, les sections de sécurité. C'était l'armée du parti nazi. Donc, c'est un peu comme un ton, nous, on a des soldats canadiens, mais ben, imaginez, il y aurait des soldats, genre, parti conservateur. Et là, ben, Willy, Willem Dafoe, le méchant qu'on... Le méchant, genre, celui qui écrit les monstres. Bon, ben, Himmler l'appelle, puis il envoie une lettre, dit genre, « Ah, j'aime beaucoup ton travail, viens avec nous, genre, dans les affaires paranormales, genre... Tu vas aimer ça, on aimerait ça que tu sois là. Puis ben, Deadhead, il aime pas vraiment ça. Alors d'ailleurs, on a le livre de projet, donc il fallait le récupérer. Donc c'est comme... C'est tout genre comme des... genre les livrets comme du paranormal qui est envoyé à Deadhead. Puis là, ben, Deadhead qui rajoute ses petits commentaires sarcastiques. Parce qu'il croit pas vraiment au surnaturel, ou plutôt il croit, mais il considère que c'est genre une perte de temps. Donc dans le fond, l'intrigue, au début, ça explique, voyons, bon,
Je vais expliquer ma phrase. Au début, la vidéo de l'ouverture en 943, c'est comment c'est une tempête la nuit, puis genre des. Il y a le gros guerrier maléfique, puis genre les le sorcier. C'est ça, c'est que Heinrich, c'était genre un guerrier maléfique, genre qui. D'ailleurs, il y a vraiment eu un Heinrich premier. Il a vraiment existé, sauf que c'était juste le roi de l'Allemagne, genre qu'il était bien normal, puis c'était un roi quand même bienveillant. Et Himmler croyait qu'il était la résurrection de ce roi-là. Dans l'univers de Wolfenstein, par exemple, c'est un roi maléfique qui a fait un pacte avec des entités obscures, puis il a des pouvoirs maléfiques. Et il y avait trois chevaliers noirs, puis genre, il menait une campagne de terreur. Puis à un moment donné, il y a un moine qui s'appelle Simon le Voyageur qui est arrivé, puis il avait des pouvoirs magiques. Puis il a réussi à l'enfermer dans une roche. Parce qu'il devrait le tuer. Fait que c'est ça. Fait que là, les nazis veulent ressusciter Heinrich I parce qu'ils pensent que genre il va gagner la guerre pour eux, genre. Puis Deathshead dans dans le portrait. Lui, il fabriquait 6 super soldats. Puis les nazis, ils veulent avoir 3 de ces super soldats. Ils veulent avoir tous les super soldats pour les réanimer, comme les infuser d'énergie obscure pour créer genre des chevaliers noirs, genre. Là, les sous de l'Oriel, genre. Ah, aussi, ici, il disait. Il parlait de Zempf, le gars qui s'est fait tuer par Helga von Piulo, genre le professeur au début. Puis là, apparemment, Deathshead, bon, respectait Zempf, puis il trouve qu'il est cave de, genre, embarquer dans le style paranormal, genre. Fait que là, j'écris, genre, tout. Vous pouvez le lire si vous voulez comprendre tout le reste de l'histoire. Lui, s'il dit qu'il veut garder un de ses super soldats, genre, il dit je vais en donner 5, il est pas si petite question qu'il en j'en donne 6, puis il dit genre, il meurt, il sera pas content, mais je préfère aller parler à Hitler lui-même, genre au Führer, pour ça. Là, ici, il mentionne autre traîtresse, adepte Mariana Blavatsky, personnage qui va être très important plus tard. Là, genre, bon, c'est ça, paranormal, les affaires. Comme le décès de Foudloriel un peu. C'est ça ici qui raconte l'histoire de Heinrich pis de Simon le pèlerin, genre Simon le voyageur. C'est qu'il mentionne justement Simon. Ah c'est ça, Simon de Wanderer. Fait que c'est ça, le livre des projets qui avance beaucoup l'histoire dans le fond, qui répond à beaucoup de questions. Je suis rendu excellent. Bon, ça va faire, là, on retourne tuer. D'ailleurs, ça s'est jamais rendu au niveau qu'il y a dans le jeu, mais l'occulte, les nazis, avaient beaucoup de. Ils étaient très intéressés par l'occulte, entre autres Himmler aussi. D'ailleurs, en 1938, le vrai Heinrich est mort en 938, pas en 943. Puis en 938, les nazis ont fait genre une petite réception, genre pour honorer sa mort dans une des cathédrales d'Allemagne. Et on a récupéré du stock ici. Parce qu'avec genre les monstruosités qu'il y a dans ce niveau-là. Là. Parce que oui, on n'a pas tout vu encore. Voyons. Bon, ça, c'est un proto-soldat. Vous voyez, un Venom lui avec, et j'ai pas d'arme de Panzerfaust pour le tuer, fait que les affaires font dur un peu. On va essayer des grenades. Donc ça, c'est juste la version prototype. Il y a la version super qui va entrer dans la ligne de compte plus tard. Tabarnak. Il est blessé. Le bruit qu'ils font en mourant est juste badass. Comme on en voit un qui est en train d'être comme préparé. Il n'y a même plus de pénis. C'est dire comment les atrocités des nazis. Là. Enlever le pénis d'un homme et le mettre dans une machine de guerre. Là. J'ai morflé un peu. J'ai mangé de mornif. Ah, pas encore. Oui, c'est ça. Cas de chier l'électricité à travers le plancher.
Oui, de chier l'électricité, j'ai dit. D'ailleurs, les proto-soldats, bon, ça paraît pas pour le moment, mais les proto-soldats sont encore alliés aux nazis. Et ils vont tuer des loppers. Ils protègent les nazis des loppers, donc quoi, genre. Comme quoi certains investissements nazis continuent à payer. Quoi? Non. Oh non, non, non. Donc, je suis de retour. Le jeu a planté. Et oui, le jeu, ben le jeu a planté. Le jeu a planté, c'est ça. Rien à dire de plus. Quel embarrassement. J'ai perdu du progrès. Je vais essayer de retrouver le super soldat parce que... le proto-soldat, je veux dire. Parce que le super soldat, on l'a pas vu encore. Ce niveau-là est un vrai labyrinthe. Ça marche pas comme en la fa... ça marche pas en sa faveur vraiment. Ok, donc je vais essayer d'aller voir. Non. J'ai vraiment besoin de trouver des Panzerfaust. Parce que ça, c'est juste des roquettes. J'ai pas le Panzerfaust en tant que tel. J'ai pas acquis l'arme elle-même. Je sais pas. Il y a un petit truc ici qui est intéressant. Parce qu'il y a comme des canals, genre. Des canaux? Canals? On va re-sauvegarder au cas où le jeu veut m'en passer une petite bite. En suivant les portes métalliques, on peut arriver dans la zone secrète que j'ai montré. Le jeu il enregistre, je vais être sûr. Ouais, tout est beau. Donc c'est une petite scène cocasse. Ramasser le stock. Oh non, on va se faire tuer. Quoi? Quoi? Mais c'est pas censé arriver. C'est pour pas tout ce qui est censé arriver. Normalement, le lopper, il arrive, il tue le scientifique. Puis là, il s'en va pour. Il arrive ici pour comme sauter à la fenêtre. Il y a un rocket qui arrive puis qui explose le hopper. Puis il y a un proto-soldat qui rentre. Puis il vient exploser la porte ici. Mais ben, c'est pas arrivé. Donc. Fait que. D'acide, genre, je sais pas trop quoi c'est. En même temps, ça m'arrange bien parce que c'est un proto-soldat de moins à battre. Puis genre. Pas super évident à tuer. Je comprends pas pourquoi cette map-là insiste pour avoir des canals genre, de l'eau en dessous. Les nazis se sont dit, savez-vous absolument ce qui manque dans notre base, dans notre laboratoire secret des horreurs en Norvège? Un système de canal. Ouais. Ok. Ok, ça c'est la fin du niveau. Un petit preview. Je vais essayer de revenir où j'étais.
Y en a qui sont en train de crier après moi, genre, hé, hey, Charles, t'es déjà allé là, c'est pas long. Map de ce niveau-là, c'est vraiment intéressant. Avoir aussi un Panzerfaust, ça aiderait, mais bon. Je veux pas. Je pense qu'il n'y a vraiment pas le choix de passer par un autre passage. J'arrive pas à croire que le proto-soldat il est pas allé tuer le lopper. À lopper de quoi? Non, ça je suis. C'est plate, Rosti, tu te tournes en rond. Quand même, c'est gentil les nazis d'avoir placé genre des lumières pis des petits trous pour avoir de l'air, comme ça, genre. Ok. Non! Ah, c'est ça que je parle. Bon, c'est le fun, ça, c'est-tu? Gaspille de la dynamite. Ah, ouf, on sait pas. Ça peut pas être bon, ça, des dégâts structurels comme ça. Ouh, le beau logo qui fait peur. Ça m'amène. Pas à la place que je vais. Ouh, il y a un spectacle qui sonne. Les gardes nazis qui vont faire une tentative futile de pas mourir. C'est nigger, ok. Nigger. C'est gérable. Nigger. Nigger. Y'a rien. J'ai plus d'armure partout. Ça regarde mal. Elle trouve vouloir faire le cave, des fois on perd tous nos points de santé. Non. C'est pas en train d'arriver. Il devrait se noyer. Hey, c'est vraiment la foule, c'est vraiment un épisode de première fois, ça. Oh, le style monstruosité. Wow! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce? Ça peut-tu se refaire? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon Wolfenstein? Ça fait comme trois de ces petits bugs fuckés dans le même épisode. Je sais que je suis déjà venu ici, je suis vraiment comme fouillé le niveau de fond en comble pour trouver de la santé et des armures parce que c'est le genre de. C'est le genre de truc qu'on veut pas être en manque. Il y a un boss qui s'en vient en plus.
Il nous reste 4 proto-soldats à battre. 4! Bon, il y a encore une pause de soin. On retourne nager. Pourquoi j'ai pas besoin de nager? La porte là, mais nous, juste. Ah, ok, ça mène ici. Je sais que c'est pas l'épisode le plus passionnant, là. L'upper s'est noyé dans la merde en plus. Non. Hey, je perds toutes mes balles. Il est mort. Ok. Je pense que les explosions de Panzerfaust l'avaient affaibli, puis genre il restait vraiment plus de santé, puis le Snooper Rifle il a enlevé ce qu'il restait. Dernière petite sauvegarde avant de passer au boss 2. Ah oui, le prochain niveau c'est un niveau de boss. Après un premier niveau débile de même, on va checker si j'enregistre. Ok, ouais. J'ai checké si j'enregistrais, puis la réponse est positive. 22 minutes, hostie.